Alors salut salut les abonnés. Alors bienvenue avec l'équipe BC Armand 3-3. On est en direct avec l'équipe dans le cas en direction d'Orléans. Alors moi c'est Loutier Noba et qui est le bon garçon ici. Alors moi c'est Hervé Charleston et Jean-Pierre. Moi c'est Yves Decam et qui est le meilleur défenseur de l'année. C'est le capitaine. Finir capitaine, Jenny Canana. Le vrai shooter de l'équipe, je tiens à dire. Vous verrez ce week-end. Alors là, je vais vous montrer que l'équipe a les meilleures playlists de tout le tournoi. Un jour sur ma Vespa, j'allais à Mexico, le voyage était bon, le train faisait tchou-tchou. Ah non, ouvre, ça y est, oh le flop, tu nous fais passer pour des guignols. Là, il est 7h30, on va réveiller les enfants. Wesh, ça dit quoi les gars? Lille. Ça va pas là. Le réveil il est dur. Le réveil il est dur. Vers 2h du matin t'entendais. C'est un menteur. Des trucs de ouf. Tu pètes un plomb. T'as dit support. À un moment là, il a son meilleur combo des bannes. C'est un menteur, ouais. Le réveil en musique les mecs, c'est très très important. Et le matin on écoute qui? Céline Dion, écoutez-moi bien. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sangs, pour que tu m'aimes encore. Une fois n'est pas coutume, c'est le coach qui parle. Il est 9h10, arrivé sur le site. Les joueurs sont dans la bulle. Après, ils se préparent mentalement. Mes coéquipiers, c'est des gamins. Ils m'ont pas attendu. C'est très grave, les gars. Je vous retiens. Ça reste là, là. Ça reste là. Eh, les filles, vous voyez lui là-bas? C'est un mec dangereux. C'est un mec dangereux. Comment on l'appelle? Nous, on l'appelle le rôdeur. Le rôdeur, c'est lui. Ouais, c'est un de leurs surnoms. Il y en a d'autres. Hein. Oh, il est en train de finir sa carrière. Comment l'oublier? Alors, lui, c'est le coach. Le manager, le papa, le chauffeur, le couteau suisse, voilà. C'est Olivier qui a monté l'équipe, qui nous a tous cherché à droite, à gauche pour former l'équipe. Et il nous suit partout, il est adorable, il s'occupe de nous. C'est grâce à lui tout ce qui nous arrive, que ce soit nos voyages, que ce soit les Open, que ce soit voilà, tout ce qu'on a fait. Là, actuellement, on revient de Marseille. On a fait une contre-performance par rapport à nos autres tournois. Donc, du coup, là, le but, c'est voilà, sortir des poules pour commencer. Voilà, comme ça on se met bien comparé à ceux qui sont derrière nous dans le classement. Puis au niveau quart de finale, demi, à voir. Voilà, mais pour l'instant l'objectif, sortir des poules. Let's go. Sur les écrans, on s'applique, on les pose bien et derrière on ouvre directement. On défend fort. Allez, mec. Il faut maintenant, nous suivre. Oubliez pas le mec, vraiment c'est important, allez, let's go. Trois points. Mets la main, rebond, c'est à nous. On leur rentre dedans, y'a rien pour eux, parti. Allez, on finit ce match. 1, 2, 3, ok, merci. Merci. On va. Hé, les passes à moitié là. Les mains à main à moitié, les doubles pas ratés. Eh, hey, ouais, rentre, t'es pas dedans là. Je suis pas dedans, t'es pas dedans du tout.
D'accord. Alors là, tu te mets dedans là, tu rentres dedans au prochain match. Pas encore sur l'arbitrage, tu le tiens comme ça. Je l'ai vu. Je l'ai vu, tu le tiens comme écoute, ça. Écoute, hey, c'est permis, t'as le droit de le faire. Il y a faute, tu te tais. Non, tu t'écoutes, écoute. Maintenant, on se remobilise tous. J'ai besoin des quatre. Et en attaque et en défense. 3. Là, pour moi, le premier match, il a été un peu dur. J'ai eu beaucoup de ratés, beaucoup de frustrations par rapport au sifflet que l'arbitre a eu contre moi. Du coup, là, il faut que voilà, je me remette dedans. Il faut que je positive et que je me reconcentre pour le deuxième match parce que mon équipe aura besoin de moi. Là, on va jouer contre The Beast, une grosse équipe avec un avantage de taille. Ils ont deux joueurs à plus de 2 mètres, mais on va jouer notre jeu, grosse défense, essayer de les prendre de vitesse, créer des espaces, et voilà, on va essayer de tout faire pour gagner ce match et avoir la première place pour nous faciliter la suite du tournoi. Hey, y'a rien pour vous. Main active. Allez, 3-3. On est dedans. Let's go mon gars, let's go. On doit rester ensemble. On s'énerve pas, on garde le contrôle. Voilà, très bien. Hey, on a fait le taf. C'est bien. ZS dit dur, on est resté ensemble. Ils ont voulu nous faire craquer mentalement. On est resté ensemble, les mecs. C'est bien ça. Là, premier de la poule, on va manger. Le premier tournoi, il est fini. Merci. Alors là, maintenant, on a dit match après match maintenant. On sort des poules, maintenant match après match. Là, c'est Bishop. On n'oublie pas Dunkerque, on prend notre revanche. Pour notre revanche, Dunkerque. On doit les prendre, monsieur. Du coup, on va manger d'abord. Le repas m'a l'air plutôt pas mal. T'as vu? Après, on a une grosse demi-finale, quart de finale contre Bishop. Grosse équipe, on avait perdu contre eux la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines à Dunkerque. Grosse équipe, il va falloir qu'on joue bien, qu'on joue dur surtout parce qu'ils savent jouer. Franchement, ça va être un bon match. Hein. Ça va être vraiment un bon match, donc j'ai hâte. Hey, qualité dans ce qu'on fait. Quand on pose des écrans, quand on fait les mains à main, balle dure, on se la fait pas piquer, ok? Voilà ce que ça donne d'écouter Céline Dion. La lumière est en blanc, la lumière est en blanc. 3, 2, 1, let's go. Ça va te couper. Allez, c'est bon. Allez. Je tiens à dire que j'ai pas eu mal, c'était de la comédie. J'ai pas eu mal. Vous n'avez rien répondu. C'est comment ils sont venus, ils nous ont impacté. Vous avez rien. Hey, toute la journée, les paniers en bas, on les a pris. Toute la journée. Du coup, défaite comme contre la team Bishop. C'est un très bon match. Ils ont bien joué. Physiquement, ils nous sont rentrés dedans. On n'a pas su répondre à leur jeu. Pourtant, au début, c'était bien serré, mais bon, c'est pas grave. Hein. On passe à autre chose. Demain, on a Beauvais. On va directement à demain, on a Beauvais. Ça va être un autre Open Plus. Le niveau, il sera tout aussi relevé. Donc, c'est à nous de faire le job et faire mieux qu'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était HM Hermont. Je tiens à dire que Pierre-Emmanuel Serreuil, c'est quelqu'un. Il faut le dire. Mais c'est votre vlog, donc nous, on s'en fout.